السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نوصل إن شاء الله تعالى لاندي 16 رجب 1439 دو ليجير correspondant 2 avril 2018. C'est le cours numéro 20 du livre Le dogme des gens de la sunna et du consensus. عقيدة أهل السنة والجماعة 2 شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. Donc on était en train de parler, allez, on continue le cours passé. Il est dit ici, نعم, ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته. Le verset, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nous croyons que rien ne lui ressemble, ou rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Vu la perfection de ses attributs. Et le verset Shura 42, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audion, le clairvoyant. Donc on avait vu dans le cours passé que les attributs d'Allah Azza wa Jal, de certaines manières, naam, se divisent en deux sortes. Sifatullah Thubutiyya ou Sifatullah Al-Manfiyya. Les attributs affirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs niés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cours c'était surtout les attributs d'Allah ta'ala niés d'Allah. Pas les attributs affirmés. Et la différence entre les deux, pour ceux qui peut-être n'ont pas compris c'est quoi la différence, c'est très simple. Les attributs affirmés pour Allah, c'est tout attribut que Allah Ta'ala s'est attribué à lui-même ou que son prophète alayhi sallam le lui a attribué. Comme le rire, la descente, les yeux, la main, le visage, naam, l'étonnement, tout ça ce sont les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même. Mais le cours, c'est les attributs niés d'Allah, c'est-à-dire qui ne conviennent pas à Allah Azza wa Jal et qu'on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait cité qu'il y avait en cela une règle, où les attributs qu'on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui contient une des trois choses. Awalan. Kullu sifati aib. Tout attribut représentant un défaut. Tout attribut représentant un défaut, on ne peut pas l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la cécité, le fait d'être aveugle, c'est un défaut. Est-ce qu'on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala est aveugle? Pour nous, hein, c'est un défaut et on n'accepte pas ça. Non. Donc, comment pour Allah subhanahu wa ta'ala? Deuxièmement, kullu sifati naqs fi kamalihi. Tout attribut représentant un défaut dans sa perfection. Donc, ce qu'on ne doit pas aussi attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la deuxième sorte, c'est tout attribut représentant un défaut. J'écris un défaut. Non en lui-même, mais dans sa perfection. Non en lui-même, mais dans sa perfection, dans la perfection de cet attribut. Par exemple, si on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala est fort, ou l'on dit la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui dit il n'a pas puissant, il ne lui a pas du tout attribué d'attribut. Mais si quelqu'un va dire il est puissant, ça, mais sa puissance,
contient une certaine, par exemple, modeste, certaine faiblesse, une certaine. Donc, ici, la personne ne renie pas l'attribut, mais renie et trouve un défaut dans la perfection. Dans la perfection du yani de l'attribut. C'est un bon exemple aussi que je vais citer, Inch'Allah Ta'ala. J'espère qu'il concorde, Inch'Allah Ta'ala. Quelqu'un va dire, Allah Ta'ala n'a pas de main. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Celui-là, yani, c'est un négateur. Ça y est, là, il a khlas, mettons-le de côté. Maintenant, quelqu'un va dire, Allah Ta'ala a la main. Non. Une main qui lui convient, qui ne ressemble pas à nos mains, et nos mains ne ressemblent pas à la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit celui-là, c'est un mouwahid, c'est un quelqu'un de la sunna ou le jama'a, c'est masha'Allah. Et un troisième va dire, et c'est ça ce qui a rapport avec notre cours, va dire Allah ta'ala à la main, même, mais sa main est, comme disent les juifs, ou comme on dit les juifs, sa main yani, n'est pas tendue, même, sa main est yani, liée. Je crois qu'ils ont dit qu'on se fermait, fermait. Dans le sens où elle n'est pas ouverte, donc elle ne donne pas. Avare, avare. Donc ils reconnaissent qu'Allah Ta'ala a la main. Mais ils devraient dire, normalement, ils devraient dire, il y a une main parfaite. Puis ils disent non, ils mettent un défaut, ils mettent un défaut dans la perfection. Ils disent la main n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle est fermée. Vous voyez. Donc ça c'était yani, la deuxième chose yani, qui n'est pas bien par rapport yani, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on lui attribue pas à cause de ce deuxième défaut. Le troisième c'est kullu mumathalin toute similitude ou ressemblance avec les créatures. Toute personne qui dit que Allah Ta'ala a une main, comme la main des êtres humains. Hein. Donc celui-là, c'est un miskin. Hein. Et toute personne qui dit qu'Allah Ta'ala a des yeux, comme les yeux de nos yeux. C'est pour ça que, comme a dit un des salafs, certains disent qu'il faut Fouzayl ibn Ayyad, d'autres disent d'autres, Awza'i, d'autres disent Ishaq ibn Rawi. Yani, beaucoup, yani, je ne suis pas très sûr qui a dit ça. Parce que ça diffère d'un livre à l'autre. C'est la phrase qui est intéressante. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui dit qu'Allah Ta'ala n'a pas de main est kafir. Et celui qui dit qu'Allah Ta'ala a des mains comme nos mains, il est kafir. Donc, si tu dis Allah n'a pas de main, donc Allah Ta'ala il dit j'ai deux mains, toi tu dis il n'a pas de main. Donc, tu ne crois pas au Coran ni au Hadith. Donc, kafir. Et si quelqu'un dit Allah Ta'ala a deux mains, d'accord, mais comme nos mains, ressemble à nos mains, il est aussi kafir. Donc, la sunna ou jama'a toujours au milieu. Allah Ta'ala a la main, mais pas comme notre main. Il a une vie, pas comme notre vie. Il descend, pas comme on descend. Il rit, pas comme on rit. Il a des yeux, comme pas nos yeux. Et comme ça. Naam. Donc, je lui attribue l'attribut, hein, je le décris avec son attribut, tout en disant que rien ne lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. On termine, elle a dit c'était dans le cours passé. Donc on termine, on va continuer plus tôt. Non, où est-ce qu'on va commencer, Inch'Allah? Non, on parlait du dhulm. Ça y est. Donc le cours c'était quoi? C'était, yani, ce que Allah Ta'ala, yani, à nier de lui comme attribut. Et pour vous rappeler seulement, pour vous rappeler qu'on se rappelle aussi, c'est bien yani, une comment ça s'appelle avec une révision. C'est bien une révision. Ça y est. Bon, les attributs qui s'est renié, par exemple, ici, hein, qu'est-ce qu'il a dit? Une seconde, citer quelques versets. Non, Allah. Non. Par exemple. Non. Allah Ta'ala ne dort pas. Il ne lui convient pas de dormir. Hein. Comme il a dit aussi, nul sommeil ni somnolence ne le prennent. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence ni sommeil ne le prennent. Hein. Donc, voilà des attributs hein, qu'il nie de lui. Hein. Et aussi, il a cité, hein, il a renié de lui
نعم كل سبحانه وتعالى يعني بأن الله لا يظلم أحدا، ونؤمن بأن الله تعالى لا يظلم أحدا لكمال عدله. Et nous croyons qu'Allah Ta'ala ne commet d'injustice envers personne, car sa justice est parfaite. Donc ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui convient pas qu'on dise il commet de l'injustice. C'est pour ça que donc on refoule de lui l'injustice. Parmi donc les attributs qui s'est refoulé aussi, on va d'abord parler de l'injustice, on a parlé de somnolence. Le sommeil, qui ne lui convient pas, on va parler de la fatigue qui ne lui convient pas, on va parler de tout ce qui ne lui convient pas, Inch'Allah Ta'ala. Ou du moins, yani, ce qu'il y a ici dans le cours. Donc il a dit, nous croyons qu'Allah ne commet d'injustice envers personne, car sa justice est parfaite. On a cité le verset, il kaf, wa la yadlimu rabbuka ahad. Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Personne. Un autre verset. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ Zukhruf 76. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'était eux les injustes. Eux. Allah Ta'ala ne fait de tort. Jamais ne fait de tort. Non. Il a dit aussi, pour le 46. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Point injuste. Non. On avait dit que, al-dhulm, c'était quoi? À la base, étymologiquement, dans le lexique, c'était quoi? C'était, le manque. On dit, il y a un manquement. Non. Il y a un manquement. D'ailleurs, pourquoi, par exemple, si quelqu'un, je lui prête 100 euros, quand il me rend seulement 70. Il y a un manque ou il n'y a pas? Il y a un manque, il manque 30 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il a été injuste envers moi. C'est de l'injustice. Je te donne 100, tu me donnes 70. Pourquoi on appelle ça injustice? Parce qu'il y a un manque. Un manquement. Donc, dhulm, l'injustice, à la base, c'est quoi? C'est manquement. Il y a un manque. On a cité le verset 2, sortie de Kaf 33. Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a. Les deux jardins produisaient leurs récoltes sans jamais manquer. Bon, en français, il est dit sans jamais manquer, mais en arabe, il a cité le mot dhulm, l'injustice. Walam tadlim minhu, tadlim. Yani, il aurait pu dire aussi, les deux jardins produisaient leurs récoltes sans jamais d'injustice. Nam. Donc, dhulm, l'injustice, c'est quand ça manque quelque chose. On manque. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit aussi? On avait dit. Regardez le verset qui va venir. Hein? Et Cheikh a expliqué que le dhulm hada, le dhulm, des fois, naam. Yani, ça contient un manquement, comme dans le cas de je te donne 100 euros, tu m'en 70. Et dans d'autres cas, c'est l'agressivité. C'est. Yani, c'est moi qui lèse et fait du tort. Yani, agresse. Regardez, c'est toujours, ça tourne autour de ces deux choses. Regardez ici le verset qui va venir. Taha 112. Allah Ta'ala dit, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنِ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, ne craindra ni injustice, ni oppression. Elle dit, c'est يوم القيامة. C'est Yom al-Qiyama. Regardez ce que dit ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Non. Je dis d'abord, quiconque aura fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression. Donc, celui qui, Yom al-Qiyama, veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, non, sans qu'il ne craigne d'injustice, ni d'oppression, et il viendra avec un cœur apaisé, l'âme, que Inch'Allah Ta'ala ne fait pas partie des gens d'enfer, mais du paradis. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Premièrement, quiconque aura fait de bonnes œuvres. Donc attention à celui qui ne fait que les mauvaises œuvres.
On parle ici de celui qui fait les bonnes œuvres. Et une œuvre n'est jamais bonne si elle ne contient pas deux conditions. La première, l'ikhlas, la sincérité. Je fais telle ou telle chose pour Allah, pas pour les gens. Pas pour qu'on parle de moi, pas pour qu'on me fasse des éloges, pas pour que yani, les gens parlent de moi à la télé ni dans les journaux. J'ai construit cette mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le but d'avoir son ravissement, c'est tout. Donc ça, la première condition, c'est quoi? L'ikhlas, la sincérité. Et la deuxième, ça suffit pas d'avoir l'ikhlas. Mais faut-il encore avoir quoi? Faut-il que ça soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas inventer des choses dans notre tête et dire que je veux le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si vraiment tu voulais le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu aurais suivi sa sharia et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc premièrement, quiconque veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, ravi de lui, premièrement, il doit faire de bonnes œuvres avec les deux conditions, tout en étant croyant. Pourquoi il a ajouté tout en étant croyant? Il y a beaucoup de gens qui font de bonnes œuvres en étant des kofars. C'est pour ça que jusqu'à présent, il y a des gens qui vont te dire, qu'est-ce que tu vas dire de Pasteur qui a découvert le vaccin contre je ne sais quoi et le mille et une choses? Qu'est-ce que tu vas dire? Il va pas au paradis. Tu dis, d'après ce que je sais, s'il n'est pas mort croyant, musulman, il n'ira pas au paradis. Il va te dire. Salam alaikum. Naam barakallahu fik. On parlait de ceux qui avaient de bonnes actions sans être croyants. Cela, qu'est-ce qui va se passer? Yom al-Qiyamah, il va se passer comme Allah Ta'ala a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce verset qui va venir. Sourate Furqan 23. Il a dit: Wa qadimna ila ma amilu min amal, faj'alnahu haba'an manthura. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Chauffe Yom al-Qiyamah. Naam. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, nous l'avons vue, naam. Elle est là devant nous, Yom al-Qiyamah. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette œuvre? Nous l'avons réduite en poussière éparpillée, on l'a jetée dans le vent. C'est pas parti sur la balance des hasanat. C'est parti en poussière. Pourquoi? Il y avait l'œuvre, mais pas tout en étant croyant, en étant kafir, en étant juif, en étant athée, en étant bouddhiste. Non. Et on revient donc à notre cours. Donc on était où exactement une seconde? Ah, on parlait d'injustice, ça. On parlait d'injustice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, on avait dit que, yani, quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, na'am, ne craindra ni injustice ni oppression. Injustice, tu as peur que Allah subhanahu wa ta'ala t'ajoute, na'am, on a dit agression, qu'il t'ajoute des péchés que tu n'as pas fait. Hassan, jazakallah khair de m'avoir dit cela, na'am. Donc, le verset, je répète le verset, Naam. Naam. Toute personne qui fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice, ni oppression. Injustice, c'est, yani, de peur que Allah subhanahu wa ta'ala t'ajoute des péchés que tu n'as pas fait. Tu n'as pas bu d'alcool, il va dire que tu as le péché d'avoir bu. Pas fait de zina, tu as le péché d'avoir fait la zina. Jamais ça. Ça n'existe chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'injustice, ni oppression. Oppression, c'est-à-dire, il te retire de tes hasanat. Il te retire. Tu as prié 1000 rak'at, 100 rak'at, il va t'écrire, tu as prié 10. Tu vas donner 100 euros, fi sabilillah, il va écrire, tu as donné 1 euro. Naam. Et comme ça. Donc, injustice en, yani, t'ajoutant des choses que tu n'as pas faites, oppression en te retirant des choses, bonnes choses que tu as faites. Ça, il n'y a pas chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a chez les personnes, chez les êtres humains. Non. On continue. La preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, vous connaissez tous le hadith authentique, Ya ibadi,
قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما. Ô mes serviteurs, je me suis interdit d'injustice à moi-même et j'ai fait de sorte que ça soit interdit entre vous. Le shahid, le témoin, ô mes serviteurs, je me suis interdit d'injustice à moi-même. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un l'a obligé, l'a forcé, lui a donné un ordre, naam, de s'interdire l'injustice? Jamais. Donc lui-même, Allah azza wa jal, naam, qui sa parole, c'est vérité, véracité, ne ment pas. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, l'injustice à moi-même. Alors que, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait être injuste, ma'adallah, personne ne peut faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a personne, astaghfirullah, qui peut le punir? Qui peut lui dire pourquoi tu as fait telle ou telle chose? C'est lui le qui gère cet univers. C'est lui le créateur, c'est lui femme, il gère tout seul. Il veut faire l'injustice, personne ne peut même parler. Mais Allah Ta'ala a dit, malgré cela, je me suis interdit d'injustice. Et je l'ai interdite à vous. Donc la personne, yani, dise comment Allah Ta'ala, s'il veut, il est injuste, mais il ne veut pas le faire. Donc nous, yani, par prééminence, on ne doit pas être injuste. On ne doit pas être injuste. C'est pour ça que. Est-ce qu'Allah Ta'ala peut faire l'injustice ou pas? Il y a même des grands savants, comme un grand savant qui s'appelle Barbahari, rahimahullah ta'ala, et qui s'est trompé en cela. Il a dit Allah Ta'ala ne peut pas être injuste. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah l'a réfuté, il lui a réfuté cette faute. Il lui a dit si, justement, c'est pour ça qu'il s'est interdit d'injustice. On ne s'interdit pas une chose qu'on ne peut pas faire. Non. On interdit à notre enfant de sortir après 20 heures. Pourquoi? Parce qu'il peut sortir. S'il sortait, pouvait pas sortir, à quoi ça sert? Je lui ai interdit de sortir. Donc Allah Ta'ala peut être injuste s'il veut, mais il ne le fait pas. Il a la capacité de le faire, mais il ne le fait pas. Non. Et Cheikh Islam, comme j'ai dit, a réfuté cette faute à Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, on continue. Donc, Naam. Maintenant, je crois que c'est le nouveau. Allah Ta'ala, je crois qu'ici, ça commence le cours d'aujourd'hui. Allah Ta'ala, il a dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِ عِبَادِهِ لِكَمَالِ رَقَابَتِهِ وَإِحَاطَتِهِ. Nous croyons qu'il n'est jamais inattentif à ce que font ses serviteurs. Pourquoi? Vu la perfection de sa surveillance et qu'il cerne toutes choses de son savoir. Nous croyons qui n'est jamais inattentif à ce que font ses serviteurs, vu la perfection de sa surveillance, et qu'il cerne de toutes choses son savoir. Hein? Donc, l'inattention. Moi, je peux être dans ma chambre, et mon fils, il est dans le salon, et je ne sais pas ce qu'il fait. Pire, on peut être dans la même chambre. Il est dans mon dos, je ne sais pas ce qu'il fait. Hein? Il va brûler la maison, je ne sais pas. Il est derrière moi. Pourquoi? Il manque quoi? Je n'ai pas la surveillance ou alors je n'ai pas la perfection de la surveillance. Alors que Allah Ta'ala, il n'est jamais inattentif. Pourquoi? Vu la perfection de sa surveillance. Et que son savoir cerne toute chose. Moi, comment mon fils ou mon enfant là. Et derrière moi, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible qu'il ne sache pas yani, que telle personne ou tel animal ou tel insecte ou yani, ce qu'il est en train de faire. Et qu'il est inattentif. Nous seulement, regardez, nous seulement, par exemple, je ne peux pas en même temps voir mon fils ce qu'il fait ici dans cette chambre et mon deuxième fils ce qu'il fait dans la cuisine. Et moi, je suis dans une chambre, c'est pas possible. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, non, c'est possible plus que cela. Tout ce que font les créatures, ajoutant les animaux, les insectes, les nuages, non, Allah ta'ala, c'est ce qu'ils font à la même seconde. Autre chose. Nous, ou là, moi, je peux pas, non, grain de sable, tout. Ce qu'il y a dans la mer, sous les rochers, sous le sable, le moyen. Autre chose. Regardez par exemple quand je parle avec quelqu'un. Ils sont deux personnes
et je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis en train de l'écouter. Si la deuxième personne parle en même temps que la première, je ne peux plus écouter parce que ça m'embrouille. Je dis à l'autre, tais-toi jusqu'à. Tais-toi et laisse l'autre parler. Si deux parlent en même temps, je ne peux pas y comprendre ce qu'ils disent. Imaginez 10, je parle avec 10 personnes en même temps. Les 10 parlent à la fois. Ça me perturbe, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Et je ne peux pas y me concentrer. Imaginez Allah subhanahu wa ta'ala, des milliards de gens parlent à la fois et ils entendent ce qu'ils disent et comprennent, ils comprennent ce qu'ils disent, en même temps. C'est dire que y a vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, et avec des langues différentes en plus, avec des langues différentes en plus. Non, c'est pas avec la même langue. Non. Ça y est. On continue ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Non. Lorsqu'il a dit, Laysa bi ghafilin an a'mali 'ibadihi. Allah Ta'ala n'ignore point les œuvres de ses serviteurs. Lorsqu'il a dit cela, non, il va montrer pourquoi. Pourquoi Allah Subhanahu wa Ta'ala n'est pas, il n'ignore point les œuvres de ses serviteurs. Ou alors n'est pas inattentif. Pourquoi? Justement, c'est la fin du verset qui va le montrer. Il a dit, non, une seconde. Non, d'abord un verset qui va prouver cela, qu'il n'est pas inattentif, qu'il sait tout. Non. Le verset où Allah Ta'ala dit, Baqara, Wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. À ce que vous faites. Non. Donc, pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi? Et voilà la réponse dans le même verset. Non. Il a dit, Likamali raqabatihi wa ihatatihi. Non. Vu la perfection de sa surveillance et qu'il cerne toute chose de son savoir. Voilà ce qui fait que, yani, il n'est pas inattentif et qu'il sait tout ce que font ses serviteurs. Vu la perfection de sa surveillance. Quant à notre surveillance, même si on a une surveillance, elle n'est pas parfaite. Je vous ai dit tout à l'heure, tu peux pas surveiller deux ou trois personnes à la fois s'ils ne sont pas, par exemple, dans la même pièce. Non. Ou s'ils ne sont pas en face de toi, si vous êtes dans la même pièce. Et vu quoi aussi? Qu'ils cernent toutes choses sans savoir. Alors que notre savoir ne cerne pas toutes choses. Toi, si je te montre comme ça, il y a un livre. Non. Je te montre un livre. Yani, ouvert, les deux pages, yani, ouvert des deux pages comme ça, non, tu vois ce qui est écrit, il est en face de toi, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a, yani, ce que je vois moi de mon côté, c'est-à-dire la couverture. Je te dis, dis-moi par exemple, qu'est-ce qui est écrit dans la couverture ou là, sur la couverture, c'est de quelle couleur, tu ne vois pas. Non, le frigo, quand tu le vois en face, tu vois, il y a la porte du frigo, c'est écrit, je ne sais pas, frigidaire ou là. La Samsung ou la je ne sais pas quoi, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans, dans le frigo, tu ne sais pas. Qu'en est-il derrière, le moteur, etc., tu vois rien. Donc, tu as, voilà, notre savoir est très limité. Tout ce qu'il y a en nous est limité. Notre vie elle-même est limitée. On va vivre un certain temps, 30, 40, 50, 60, 100 ans et tu meurs. C'est limité. Tout est limité en nous. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, tout est parfait en lui. Tout est parfait en lui, subhanahu wa ta'ala. On continue. Il a dit, wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla la yu'jizuhu shay'un fi as-samawati wa la fi al-ard li kamali 'ilmihi wa qudratihi. Naam. Avant de j'explique. Il a dit, nous croyons que rien ne peut réduire son autorité, que ce soit dans les cieux ou sur terre. Vu quoi? Vu son savoir et sa puissance, car son savoir et sa puissance sont absolus. Rien ne peut réduire l'autorité d'Allah Azzawajal, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Pourquoi? Car son savoir et sa puissance sont absolus. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala dit, lorsqu'il a dit, Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, rahimahullah ta'ala, un chauffeur là, non? Lorsqu'on a dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا.
Regardez ce verset, Fatir 44. Fatir 44. Et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient, omnipotent. Omniscient, il sait tout. Omnipotent, capable de tout. Donc rien dans les cieux ni sur terre ne peut réduire l'autorité d'Allah. Pourquoi? Deux attributs. Il est omniscient, il sait tout, perfectionnant le savoir. Omnipotent, capable de tout. Ah. Donc perfection dans une capacité. Taïb, il dit ici, Cheikh Ibn Taymiyyah rahmahoullah ta'ala dit, maintenant il va, il a dit, lorsqu'il a dit, car certes, il est omniscient et omnipotent, car certes, rien ne saurait réduire son autorité, car certes, il est omniscient, omnipotent. Cheikh Ibn Taymiyyah rahmahoullah ta'ala dit, فَلِعِلْمِهِ لَا يُعْجِزُهُ وَلِقُدْرَتِهِ لَا يُعْجِزُهُ. Vu, يعني, sa science, son savoir, et vu, يعني, sa capacité, sa puissance, rien ne peut, يعني, réduire son autorité. Il a dit, أَنَّ الْعَاجِزُ, car celui qui ne peut pas, il a dit l'impuissant, l'impuissant, celui qui ne peut pas. أَنْ تَحْصِيدِشِ, celui qui ne peut pas, يعني, disons, avoir une chose. تَحْصِيدِشِ. Parce que il ne sait pas quels sont les moyens et les causes pour avoir cette chose. Ou bien il sait et il connaît les causes, les moyens pour avoir cette chose, mais il est impuissant par rapport à produire cette chose. Il a dit, on donne un exemple. Si par exemple quelqu'un va dire à quelqu'un, il lui dit, construis-moi, construis-moi ce qu'on appelle une mini cassette, qui, comment ça s'appelle, qui enregistreur, qui enregistre. Allez, construis-moi, un poste, voilà, un poste qui enregistre. Construis-moi ça. Non, comme on appelle une cassette, une mini cassette. Taïb. Et que la personne, cette personne, ne sait pas. Je ne sais pas comment qu'on doit construire ça. Iden, ben donc, il ne va pas pouvoir construire cette mini-cassette. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de science. Pourtant, il n'est pas impuissant. C'est-à-dire, il n'a pas les bras liés ou bien les bras paralysés ou là, non. Hein? Il a une force, il est mashallah, il est jeune, il est ceci, il est... Non? Mais il ne sait pas comment. Voilà, il n'a pas d'handicap, mais il est djahil. Il ne sait pas comment qu'on construit telle chose, une mini cassette. Taïb, il a dit, et maintenant, et maintenant, s'il avait un ilm, une science, tam bi sina, c'est quelqu'un qui a l'habitude de construire les mini cassettes. Et là, c'est un technicien ou un ingénieur, il sait comment les construire. Mais par contre, il est paralysé. Paralysé des deux mains. Est-ce qu'il peut construire? Il ne peut pas construire. Donc, il y a deux choses qui retiennent et qui sont comme un handicap. C'est la science, ne pas connaître comment faire la chose, ne pas savoir. Deuxièmement, ne pas pouvoir. Ne pas pouvoir être paralysé ou être... C'est pour ça que, regardez dans le verset ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je répète le verset, rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah. Pourquoi? Car il est certes omniscient. Il a la science. On avait dit tout à l'heure que le djehl ne peut pas construire la mini-cassette. Allah ta'ala a la science. Omnipotent. Capable. Car on a vu tout à l'heure que il pouvait avoir la science, mais paralysé. Mais Allah ta'ala, il est omnipotent, capable de tout. Voilà, donc il a cité ici les deux attributs, na'am, qui font que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne saurait réduire son autorité. Na'am. Tayyib. C'est ce que c'est donné. Na'am. Ensuite, pour prouver encore que il fait ce qu'il veut, il n'a été là, na'am. Là, on l'a cité, il a cité le verset, non?
Voilà ce verset. Yassine 82. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand Allah Ta'ala veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Naam. Allah Ta'ala, s'il veut une chose, naam. Ce n'est pas comme nous, là. Il faut qu'il ait la science, il faut qu'il ait la capacité, il faut ceci. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut une chose, il lui dit soit et elle advient. La même seconde, dans la même tierce de seconde. Il dit seulement soit kun, fatakun. Naam. Regardez dans Sourate Yassine 53. Il a dit, In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladayna muhdarun. Ce ne sera qu'un seul cri. Et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Combien qu'il y a de gens qui sont morts et qui vont mourir d'ici qu'arrive le jour de la résurrection. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de gens. Voyez. Comment tout cela, comment y en il va faire là? Salam alaikum. Vous m'entendez? Voyez. Donc Allah Ta'ala a dit, ça, il a dit, ce ne sera qu'un seul cri. Et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Un seul cri. Et voilà des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de gens, tous debout, nus, âme, incirconcis, âme, et pieds nus aussi, debout, devant Yanni, dans une terre aride comme ça, Yanni, sur notre terre bien sûr, en train d'attendre Yanni, qu'ils vont être jugés bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nam. Quelqu'un va dire, subhanallah, mais comment se fait-il que yani, ça soit aussi facile? Ah, mais il faut jamais se comparer à Allah ou l'Allah comparer à Allah à nous. C'est difficile pour qui? Difficile pour nous. Mais c'est pas difficile pour le Créateur. Non. Quelqu'un va dire, comment yani, Allah subhanahu wa ta'ala va tous les ressusciter comme ça d'un coup? Non, la réponse est claire. Regarde le verset qui va venir. Naam. Luqman 28. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. C'est très simple. Votre création et votre résurrection sont aussi faciles à Allah que s'il ne s'agissait que d'une seule âme. Est-ce que si Allah Ta'ala n'avait pas créé des milliards et des milliards, il n'avait créé qu'une seule âme? Est-ce que c'est difficile pour Allah Ta'ala de ressusciter, de faire ressusciter cette âme, une seule, il y a une seule personne. Allah Ta'ala l'a fait, yani, là, il l'a créé, ensuite cette personne est morte, et maintenant Allah Ta'ala veut la faire ressusciter, revivre, et la faire sortir, yani, de sa fosse. Est-ce que c'est difficile pour Allah? Il n'y a qu'une seule personne. C'est pas difficile. Allah Ta'ala te dit, non, votre création et votre résurrection à tous, vous tous, des milliards, c'est aussi facile pour moi que s'il ne s'agissait que d'une seule personne. Une seule personne. C'est difficile pour Allah, une seule personne. C'est pas difficile. Alors, si une seule n'est pas difficile, des milliards et milliards et milliards ne sont pas difficiles. Parce que pour Allah, les milliards d'âmes, c'est comme une seule âme. Une fois, j'ai donné aussi un exemple à quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, il s'étonne. Je l'ai cité cet exemple à vous, je me rappelle, mais ça fait des années, je crois. Regarde, par exemple, de nos jours, une ville, par exemple, comme Paris, une ville comme Paris, je pense, wallahu ta'ala alam, il se peut qu'il y ait, ou là, s'ils veulent le faire, ils le font. Un seul bouton qui pourrait éteindre toutes les lampes de Paris. Il appuie le bouton, tout devient noir. Paris obscur. C'est possible, là, c'est pas possible de faire ça, c'est possible. Je pense même qu'il doit y avoir par sécurité ou là. Mais s'il n'y a pas, ils peuvent le faire. Et un ingénieur, vite, une heure, une demi-heure, il leur fait ça. Un seul bouton, tu le descends, vous avez une manette comme ça, tu coupes, toute la ville de Paris devient dans l'obscurité. Donc regarde, avec un seul bouton, des milliers de lampes à fond, tu vas les éteindre, tu vas les faire mourir. Alors à ça, c'est une personne peut faire cela. Comment yani, comparer Allah subhanahu wa ta'ala, qui dans la puissance, yani, est incomparable, hein, inégalable. Naam. Tayyib, on continue. Allah Ta'ala dit, fa inna ma hiya zajratun wahida.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Il n'y aura qu'une sommation, une seule. Et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Une seule sommation. Et voilà qu'ils sortent vite et en courant. Vite, nus et en courant de la tombe. C'est pas ils sortent en marchant comme il veut lui. En regardant à droite, à gauche, ou là, en regardant derrière lui. Là. Ils sortent en courant de peur, naam. Ils sortent en courant, naam. Et le voilà, yani, à son endroit où il doit être debout. Il doit être debout. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ça y est. Ensuite, il passe toujours maintenant, on est toujours en train de parler de yani, les attributs qu'il ne faut pas, yani, qu'il faut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? On est en train de toujours parler yani, de la deuxième sorte, le négatif. Non. Il dit l'Ormen, 28. Afon, Mashihadi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Il a dit وَنُؤْمِنْ بِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ تَعَبٌ وَلَا إِعْيَاءٌ لِكَبَلِ قُوَّتِهِ. Et nous croyons qu'aucune fatigue ni épuisement ne peuvent l'atteindre vu sa puissance parfaite. Vous avez remarqué, on est dans le cours d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est des choses et des attributs qui ne peuvent pas atteindre Allah, dont Allah ne peut pas être décrit. On ne parle pas des choses yani, positives, des attributs yani, positifs. Qu'Allah Ta'ala a ceci, la vue, la vie, les yeux. Non, on parle de ce qu'il n'a pas, et ce qui ne lui convient pas, et ce qui n'est pas permis de le décrire avec. Et vous avez compris. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que chaque attribut que on refoule d'Allah Ta'ala et on dit qu'il ne lui convient pas, c'est pour prouver que son contraire lui convient. Quand tu dis que Allah Ta'ala, nul sommeil ni somnolence ne peuvent l'atteindre. Le contraire du sommeil, c'est quoi? Et la somnolence. C'est donc ce qu'on appelle qiyomiya. C'est comme on dit, la gérance, la surveillance. Car quand quelqu'un dort, ou là, il est dans la somnolence, il ne peut plus gérer ce qui se passe. S'il est dans la voiture, il ne peut pas gérer. Il laisse le volant et rentre dans un mur ou dans un camion. Ça, pourquoi? Atteint de somnolence ou bien de sommeil. Et des milliers, milliers, peut-être pas des millions de gens sont morts à cause du sommeil dans la voiture ou le camion. Donc, si Allah Ta'ala, on va dire qu'il n'a pas de sommeil, de somnolence, c'est pas pour dire seulement qu'il n'a pas de somnolence. Mais c'est pour dire que vu quoi? Vu sa parfaite il y a une régence, plus sa parfaite qiyomiya, nam, plus sa parfaite surveillance, nam. Tayyib, lorsqu'on dit ici par exemple, nam, nous croyons aussi que nulle fatigue ni épuisement ne peuvent l'atteindre. C'est pas parce que seulement ils ne peuvent pas l'atteindre, mais c'est pour prouver le contraire, pour prouver sa puissance parfaite. Et lorsqu'on a dit tout à l'heure que yani Allah subhanahu wa ta'ala ne peut, par exemple, rien ne peut réduire son autorité. On a dit, c'est pour prouver quoi? Pour prouver le contraire. Pour prouver son omniscience, son omnipotence. Nam. Donc, ce qu'il faut connaître, yani, comme règle aussi avant de continuer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on lui fait pas des éloges en enlevant de lui des attributs. En disant qu'il n'a pas le sommeil, il n'a pas ceci, il n'a pas la fatigue, il n'a pas la somnolence, il n'a pas ceci. Non, pourquoi? Parce que le fait d'enlever, de refouler, de dire qu'il n'a pas, il n'a pas, ce n'est pas des éloges en soi-même. Ce n'est pas des éloges. Les éloges, c'est quand on dit qu'il a. C'est pas quand on dit qu'il n'a pas. C'est cela que, si par exemple, tu vas rentrer chez un roi, hein, il te dit, par exemple, dit quelque chose, là. Autrefois, les rois, les gens, quand ils vont chez eux, ils leur font des éloges. Vous êtes très juste, vous êtes là, les gens vous aiment, ceci, cela. El Mohim. Il veut lui faire des éloges. Il va faire des éloges. Il lui dit, son excellence, Nam, vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas aveugle. Vous n'êtes pas borgne. Vous n'êtes pas sourd, mashallah. Vous n'êtes pas muet. Vous n'êtes pas fatigué. Est-ce que ça, c'est des éloges?
Peut-être qu'il va dire emmener cette personne à l'hôpital psychiatrique. Non. Emmener cette personne à l'hôpital psychiatrique. Si tu veux faire des éloges, c'est pas en enlevant des choses. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. En disant tu es beau, tu es juste, tu es ceci, tu es riche, et comme ça. Donc Allah Ta'ala, si une personne, on ne lui fait pas d'éloge en refoulant d'elle des attributs. Par prééminence, on ne fait pas d'éloge à Allah en disant que le sommeil ne le prend pas, la fatigue ne le prend pas, il n'a pas d'injustice. C'est pas ça. Mais c'est pour prouver le contraire. Il n'a pas d'injustice car c'est lui le plus juste. Il n'a pas de sommeil car c'est lui, Annie, qui a la puissance, Annie, de gérer, etc. Il n'a pas de fatigue car c'est lui qui a la plus grande force. C'est comme ça. La plus grande puissance. Pouvoir. Vous comprenez donc, c'est une règle qu'il faut apprendre. Les attributs qui ne conviennent pas dans ce panneau là, quand on les refoule de lui, c'est pas dans le but de les refouler seulement, mais dans le but d'attester leur contraire. Dans le but d'attester leur contraire. Les admins, est-ce que c'est compris ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est compris, alhamdoulilah. Oui, Habib, alhamdoulilah. Donc si vous avez compris, on peut continuer. On peut continuer. Il a dit, non, regardez. Et nous croyons qu'aucune fatigue ni épuisement ne peuvent l'atteindre. Pourquoi? Pour prouver qu'il a une puissance parfaite. Non. Donc on ne dit pas seulement il n'a ni fatigue ni épuisement. Ni fatigue ni épuisement ne peuvent l'atteindre. Et ensuite, là, pour prouver le contraire, car il a une puissance parfaite. Tayyib. Maintenant, il a dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Regardez quand il a dit ça. Allah Ta'ala a dit, en effet, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Car créer les cieux et la terre, pour nous, pour construire seulement une petite maisonnette, il nous faut peut-être des années. Et on va vraiment éprouver de la fatigue, grande fatigue. Mais Allah Ta'ala, les cieux et la terre, en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Parce qu'il y a des gens, les juifs, que Allah Ta'ala nous protège, disent il s'est fatigué. Il s'est donc reposé le samedi. Donc il s'est reposé le samedi ou le dimanche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui a construit les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, ne pouvait-il pas dire aux cieux et à la terre, soit, kun, faites kun. Est-ce que c'est difficile pour Allah ta'ala? C'est pas difficile. Il leur dit, soyez, ils vont être. À la seconde, à la tierce de la seconde. Mais pourtant, sa hikma, avec sa hikma, il a voulu faire cela en 6 jours. Non. Certains savants ont dit, pour que ça soit aussi pour nous, une exhortation, ou un modèle, pour se dire, si Allah Ta'ala, qui peut dire à la chose, soit elle devient, et elle advient à la seconde même, non, n'a pas voulu faire ça, mais a voulu que les cieux et la terre soient créés en 6 jours. Donc nous, hein, nous aussi, on doit faire des calculs et ne pas se hâter, ne pas se précipiter, faire toutes choses en son temps, comme elle se doit et comme ça. Non. Et ne pas vouloir se hâter, vouloir Est-ce que quelqu'un, par exemple, de nous pourrait construire une maison, par exemple, en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours? Ah, faut pas se précipiter. Allah Ta'ala qui peut dire à la chose, soit elle devient, ne l'a pas fait. Il a fait, il est sur la terre en 6 jours. Mais le cours, c'est quoi ce qui nous intéresse? C'est qu'il a dit, sans qu'ils soient tous éprouvés de moindre lassitude. Sans qu'ils soient éprouvés de moindre lassitude. Car nous, après chaque travail dur, on va éprouver quoi? On va éprouver de la fatigue. On peut même tomber malade. On peut même tomber malade. Mais Allah subhanahu wa ta'ala,
Il construit les cieux et la terre, il crée les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux, sans jamais se fatiguer, sans jamais se fatiguer. Taïb. Voilà, inchallah. Alors, on a terminé le cours. On est arrivé à la fin du cours. Ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que c'est la règle que j'ai citée. Les attributs, donc ça se divise en deux, les attributs qu'on atteste à Allah Ta'ala et les attributs niés d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Les attributs qu'on atteste à Allah, c'est clair, c'est lui Azzawajal et son prophète, Ali Salam, qui attribue Allah Ta'ala. Par contre, les attributs niés d'Allah, ces attributs ne sont pas, voilà la règle, ces attributs on ne les nie pas. Et on ne les refoule pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le simple fait de les nier et de les refouler, mais plutôt, par contre, pour attester leur contraire. Pour attester leur contraire. Voilà une règle qui peut vous tomber très bientôt dans les questions-réponses, inshallah ta'ala. Naam. Donc, s'il y a autre chose ou des choses qui ne sont pas comprises dans le cours, on laissera ça, inshallah ta'ala, pour les questions-réponses. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Je répète, d'accord. Vous pouvez le répéter, d'accord, je répète. Donc, on avait vu que les attributs, d'une certaine manière, se divisaient en deux. Attributs. Yani. Attendez, comment j'ai traduit ça en français, une seconde. Ça chauffe une seconde. Non. Donc, attributs. Voilà. Attributs affirmés pour Allah et attributs niés d'Allah. Les attributs affirmés pour Allah, c'est clair. Ce qu'il s'est affirmé lui, alayhi sallam, ou bien son prophète sallam, les a affirmés à Allah Ta'ala. Comme la descente, les yeux, la vue, le rire, la parole, comme ça. Mais notre cours, c'était plutôt les attributs niés d'Allah. Qu'on ne peut pas attribuer à Allah, qu'on est loin d'Allah, comme le sommeil, la fatigue, la somnolence, l'injustice. C'est ça, les attributs niés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. La règle, c'est quoi? On ne les nie pas d'Allah. On ne les refoule pas d'Allah, juste pour le fait de les nier ou de les refouler. Mais plutôt pour attester leur contraire. Pour attester leur contraire. Si je refoule d'Allah Ta'ala l'attribut de la fatigue, c'est pour dire que Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est yani, celui qui ne se fatigue pas. C'est la force, la puissance, ne pas se fatiguer. Si je refoule d'Allah Ta'ala l'injustice, c'est vu la perfection de son équité, de sa justice. Et comme ça. Voilà, inshallah Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى نكمل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طيب سيكون إن شاء الله تعالى لا بروميير كيستيون كي أ رابور أو كور إن شاء الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك donc nous allons commencer par la première question question sur le cours donc la personne demande Cheikhana, peut-on faire des gestes qui accompagnent un attribut d'Allah Ta'ala pour expliquer à un enfant, exemple, pour nier l'attribut du sommeil, mettre ses deux mains sous notre joue pour montrer le fait de dormir? Tafaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Donc, Cheikh, je ne sais pas si vous êtes là. Donc, qu'est-ce que, Cheikh, vous êtes là? Je ne sais pas si vous avez entendu la question, si vous êtes là. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Donc, la question est très simple et très claire. Bon, simple, difficile, mais claire. Peut-on faire des gestes qui accompagnent un attribut d'Allah Ta'ala pour expliquer à un enfant, exemple, pour nier l'attribut sommeil, mettre ses deux mains entre nos joues pour dire, yani, pour montrer le fait de dormir. Je dis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a récité un verset
Et le hadith est authentique. Je vais vous montrer le verset, vous l'afficher. Une seconde, je vais chercher ici. Une seconde. Samian Basira. Voyez. Donc, une fois le prophète a cité un verset, et je pense que c'est ce verset. Je pense, pas très sûr. Mais ce qui est sûr, c'est la fin du verset. Parce qu'à la fin du verset, Allah Ta'ala dit, Inna Allaha kana sami'an basira. Inna Allaha kana sami'an basira. C'est-à-dire, en vérité, Allah Ta'ala. Donc, j'ai dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a cité un verset où à la fin, Allah Ta'ala dit, Inna Allaha kana sami'an basira. Et il a mis ses deux doigts, l'un dans le pouce, dans, yani sur, disons sur l'oreille, et l'autre sur son œil, l'index sur son œil. Naam. Se basant sur ce hadith, certains ont dit donc que yani s'est permis de faire aussi des gestes ou là quand on parle des attributs. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen, naam, et je pense que son avis c'est le plus fort, c'est le meilleur, naam, a dit que on fait avec les mains seulement dans les attributs où il y a un dalil que le prophète a montré avec ses mains. Comme ici de Inna Allaha kana sami'an basira. On a un dalil que le prophète a mis ses deux doigts l'un sur son oreille, l'autre sur son œil. Il a dit là où il n'y a pas, là où il n'y a pas de dalil, yani on ne montre pas avec ses mains et ses doigts. Et c'est mieux, surtout, yani un enfant, par exemple, surtout un enfant. On va lui dire que Allah Ta'ala ne dort pas. On va mettre nos mains sous nos joues là. Donc, il va se placer dans son cœur que Allah Ta'ala nous ressemble, qu'il est comme nous, qu'il dort et que. Même si on dit on ne dort pas, yani, mais ça donne une certaine ressemblance. Naam. C'est pour ça que vaut mieux, yani, se limiter seulement à la parole. Là où il n'y a pas la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya cheikhana. Nous allons passer à la deuxième question. Deuxième question, toujours sur le cours. Donc, une question d'une sœur qui demande, pour bien comprendre le cours, je voudrais revenir sur les attributs niés en particulier. Tout attribut représentant un défaut, l'orgueil comporte un défaut, la colère aussi. Pourtant, nous savons qu'Allah sera en colère yawm al-qiyamah. Pouvez-vous nous apporter un complément pour mieux comprendre? Barakallahu fik ya cheikh wa jazakallahu khairan. Tafadhal ya cheikh. Donc je relis la question pour bien comprendre le cours. Je voulais revenir sur les attributs niés en particulier. Ça, tout attribut représentant un défaut, l'orgueil comporte un défaut, la colère aussi. Pourtant, nous savons qu'Allah sera en colère yawm al-qiyamah. Pouvez-vous nous apporter un complément pour mieux comprendre? Naam. La personne qui a posé cette question, en fait, a fait un petit amalgame. Un petit amalgame. Naam. Car cette personne a oublié que nous, on parle des attributs qu'on nie d'Allah Ta'ala parce que ce sont un défaut, mais à condition que ça soit pas lui, Azzawajal, ou bien son prophète, Alayhi qui le lui ont attribué. Donc maintenant, on a des versets et des hadiths que Allah Ta'ala se met en colère. Donc on doit dire que Allah se met en colère, mais que sa colère n'est pas comme notre colère. Naam. Qu'est-ce qu'a cité aussi la personne? On dit aussi l'orgueil. Naam. Que Allah Ta'ala, c'est lui l'orgueilleux. Naam. Donc on dit que Allah Ta'ala a l'orgueil. Pourquoi? Parce que ça, c'est lui qui s'est donné cet attribut. Le prophète Sam nous a informé de cela. Naam. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, il a une colère, pas comme la nôtre. Il a un orgueil, pas comme le nôtre. Comme il a une vue, pas comme la nôtre. Il a une vie, pas comme la nôtre. Il a des mains, pas comme nos mains. Ça, hein, là où il y a que il a ses attributs. Sinon, tout attribut autre, yani de défaut, qui pour nous c'est un défaut, on ne cite pas Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.
J'espère que j'ai été clair, sinon je réexplique. Demande à la personne. Tfadlan. Donc là, la personne demande, donc, Cher, la règle fonctionne que sur les attributs qui ne sont pas donnés par Allah ou par son messager? Exactement. Exactement. Tout attribut qui a été attribué à Allah par lui-même ou son messager, on dit Sami'na wa ta'na. Juste ce qu'on doit faire, c'est ne pas faire le teshbih et dire que ça nous ressemble ou qu'on ressemble à Allah dans cet attribut. Mais non pas des attributs que yani, Allah Ta'ala ne s'est pas attribué, ni son prophète, alayhi sallam. On parle de ceux-là. Naam. Tfadl. Cher, si je peux me permettre, c'est comme la ruse. On sait que, par exemple, Allah Azzawajal, il est meilleur dans la ruse que ceux qui rusent contre lui, mais ce n'est pas une sifat d'Allah Azzawajal. C'est juste parce que ceux qui rusent contre lui, Allah, il est meilleur qu'eux dans la ruse. Aussi pour la ruse, naam, la ruse pour nous c'est quelque chose de très mauvais, ça. Déjà, on ne dit pas que Allah Ta'ala ruse, il dit il ruse contre les ruseurs. On ne peut pas dire seulement il ruse ou lui donner le nom de ruseur, mais on dit il ruse contre les ruseurs. Ah, mais sa ruse n'est pas comme notre ruse. Fadl. Jazakallahu khairan, barakallahu fik, ya cher, pour cet éclaircissement. Non, non, ce n'est pas un attribut. Donc, on va passer à la troisième question. Question d'une sœur. Donc, la question de la sœur qui demande, Jazakallahu khairan, pour tout le temps que vous passez pour nous apprendre le dîn. Je n'ai pas bien compris, en fait, vous avez donné comme exemple dans ce cours que celui qui n'a pas bu d'alcool le jour de la résurrection, il n'aura pas le péché. Mais dans un autre cours, vous aviez donné l'exemple suivant. Si une personne est dans l'avion, et voit une autre de loin boire de l'alcool, la première personne peut avoir le péché juste parce qu'elle aurait voulu faire pareil si elle avait aussi une bouteille d'alcool, est-ce correct? Cette question n'est pas claire pour moi. En fait, cher, la personne demande, voilà, par exemple, si telle personne est dans l'avion et elle voit une personne au loin boire de l'alcool. Et elle aurait voulu boire de l'alcool, mais elle n'avait pas de bouteille d'alcool à côté d'elle. Donc, elle n'a pas pu boire. Donc, elle dit qu'elle n'a pas compris par rapport à ça, parce que vous avez donné l'exemple dans le cours que celui qui n'a pas bu d'alcool, le jour de la résurrection, il n'aura pas le péché. Donc, au fait, elle a mis les deux choses ensemble. Je ne sais pas si vous avez compris. Bon. Sûr, vous avez perdu le mic. Samhouni, je vais relire la question. Non. Donc, je n'ai pas compris. En fait, vous avez donné comme exemple dans ce cours ou d'aujourd'hui que celui qui n'a pas bu d'alcool, le jour de la résurrection, il n'aura pas le péché. Dans un autre cours, vous aviez donné l'exemple suivant. Si une personne est dans l'avion et voit une autre de loin boire de l'alcool, la première personne peut avoir le péché juste parce qu'elle aurait voulu faire pareil si elle avait une bouteille d'alcool. Est-ce correct? Naam. Et oui, ici la contradiction. Alhamdoulilah, c'est très clair. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui n'a pas bu l'alcool, qui n'a pas bu l'alcool, donc, va pas lui dire, Allah ta'ala, tu as bu l'alcool, va pas lui donner le péché. Et la personne qui a eu l'intention de boire et a voulu boire et n'est pas arrivé, Allah Ta'ala va lui donner le péché d'avoir voulu boire et de ne pas être arrivé à la fin. Va lui donner le péché de l'intention. Les péchés, il y a le péché d'avoir bu et le péché d'avoir l'intention de vouloir boire et souhaiter n'avoir pas bu. Celui-là aussi, il a le péché. Donc, Allah Ta'ala est juste. Non, juste. S'il lui dit tu as le péché de l'intention, il est juste parce que il aurait voulu boire. Car c'est juste car elle n'avait pas de bouteille qu'elle n'a pas bu. Et non pas par crainte d'Allah. Exactement. Elle n'a pas bu parce que Allah Ta'ala a interdit l'alcool et la peur d'Allah. Mais elle n'a pas bu parce que il n'y a pas les moyens comment boire. La bouteille est loin d'elle ou bien il n'y a pas d'alcool ou bien. C'est pour ça qu'elle a le péché de l'intention et non pas de l'acte. Naam. Car il y a le péché de l'acte et il y a le péché de l'intention. Si c'est pas clair, qu'elle me redise de cette personne, inshallah. Tfadl.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya cheikh. Nous allons passer à la quatrième question, question d'un frère qui demande, est-ce que les attributs niés d'Allah sont comme les attributs propres, c'est-à-dire pas comme on l'imagine, pas comme on l'imagine. Il ne se fatigue pas, mais on n'imagine pas comment. J'espère bien que ma question était claire. Juste de préciser que l'attribut, par exemple, qu'Allah a des mains, pas comme on les conçoit, Allah ne se fatigue pas, mais son infatigabilité n'est pas convenable. Fadal les chers, jazakallah wa khairan. Je relis la question pour être sûr. Est-ce que les attributs niés d'Allah sont comme les attributs propres? C'est-à-dire, pas comme on imagine. Ils ne se fatiguent pas, mais on n'imagine pas comment. J'espère, bi'idnillah, que ma question était claire. Alors qu'Allah fait comme juste préciser que l'attribut, par exemple, qu'Allah a des mains, pas comme on les conçoit. Allah ne se fatigue pas, mais son infatigabilité, je ne sais pas s'il y a ce mot en français, n'est pas concevable. N'est pas concevable. C'est tout pour que je comprenne un peu la question. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, Naam, les choses qui n'existent pas, Naam, on ne peut pas les appeler choses, comme dit Cheikh l'Islam. Non, on ne peut pas les appeler choses. C'est pour ça que Allah Ta'ala, ce n'est pas permis, non, de lui enlever des choses pour dire que je suis en train de le décrire, en lui enlevant des choses, en repoussant de lui des choses. En, yani, dit, je vais lui faire des éloges. Je vais dire, Allah Ta'ala ne se fatigue pas, Allah Ta'ala ne mange pas, Allah Ta'ala ne boit pas, Allah Ta'ala ne se marie pas, Allah Ta'ala ceci, cela. Non, c'est pas ça des éloges. Parce que le fait de nier une chose, la chose qui est niée, refutée, elle n'existe pas, donc, yani, elle compte pas, c'est le néant. Non. Et, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, on ne peut pas décrire Allah Ta'ala, lui faire des éloges, yani, décrire Allah Ta'ala avec des éloges. Comment alors, décrire Allah Ta'ala avec du néant. Comment alors en faire des éloges avec? Il a dit, c'est pas infatigabilité. Non. C'est écrit qu'est-ce qu'il a écrit? Infatigabilité. El Mouhim. C'est pour ça, donc, j'ai dit, El Sunna ou Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, quand on refute quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour refuter. Essayer de concevoir comment c'est refuté. L'attribuer ou refuter. Mais c'est plutôt pour attester le contraire. Pour attester le contraire. Et le contraire qui est attesté, c'est un attribut. Donc ça devient un attribut, yani, ce n'est pas dans le négatif. Quelque chose qu'on nie, mais quelque chose qu'on atteste à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne devient plus du néant. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya cheikh. Donc, la cinquième question, subhanallah, on en parlait juste tout à l'heure. Donc, je vous la lis, bi'idhnillah. Dans les cours sur les noms parfaits d'Allah, de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il est dit que certains attributs tels que la tromperie, le complot et la ruse sont attribués à Allah de manière exceptionnelle. Par exemple, quand quelqu'un ruse, Allah répond par une ruse meilleure et parfaite, car il en est capable. Et en dehors de cette situation, il est interdit de qualifier Allah par ses attributs. Cela rejoint votre cours, ces attributs sont niés, mais dans certains cas sont attribués à Allah. Pouvez-vous confirmer cette règle? Barakallahu fik ya cheikh wa jazakallahu khayran. Tafadhal ya cheikh. Je lis inchallah ta'ala des questions. Dans des cours sur les noms parfaits d'Allah, le Cheikh Al-Uthaymeen, il est dit que certains attributs tels que la tromperie, le complot, la ruse, sont attribués à Allah Ta'ala de manière exceptionnelle. Par exemple, quand quelqu'un ruse, Allah répond par une ruse meilleure et parfaite. Non. Car il en est capable. Et en dehors de cette situation, il est interdit de qualifier Allah par ses attributs. Cela rejoint vos cours, ses attributs sont niés dans certains cas, ses attributs sont niés, mais dans certains cas, sont attribués à Allah. Pouvez-vous confirmer cette règle? Par rapport à ce qu'a dit la personne ici dans ce paragraphe,
Non. Et ce qu'a dit Cheikh Ibn Othaymine, c'est vrai. Non. J'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'Allah Ta'ala, il a l'attribut de la ruse, par exemple, c'est un ruseur. Mais on dit il ruse contre les ruseurs, il complote contre les comploteurs. Non. Pour certains qui employaient le mot comploter au lieu de ruser. Non. Mais, comme il dit ici, non. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit hein? En dehors de cette situation, non, on ne peut pas dire que Allah Ta'ala ruse, comme ça, sans dire que il ruse, yani contre les ruseurs, par exemple. Non. Allah Ta'ala dit donc, Wayam Koron, Wayam Korolla. C'est parce qu'il a dit Yam Koron, il ruse, qu'il a dit lui Yam Korolla, que lui il ruse contre eux, pour yani, démonter leur ruse. Et quand Allah Ta'ala a parlé des Munafiqoun, il a dit Istazi'un, il a dit Allahu Istazi'u bihim. Il se moque, Allah Ta'ala se moque d'eux. Istazi'u bihim. Naam. Et comme ça, mais on ne va pas dire que Allah Ta'ala se moque ou laisse un moqueur. Ma'adallah. Donc, en dehors de là, en dehors du contexte, naam, ce n'est pas permis de citer certains, yani, certaines, comment ça, certains attributs naam, qui ont besoin du contexte. Comme ruser contre la ruse d'autrui, se moquer contre celui qui se moque, et comme ça. Ensuite, la personne dit, cela rejoint votre cours, ces attributs sont niés, c'est-à-dire en parlant des. Ces attributs sont niés, mais dans certains cas, sont attribués à Allah. Pouvez-vous confirmer cette règle, Barakallahu fikoum? Donc, il dit ici, cela rejoint votre cours, ces attributs sont niés, mais dans certains cas, sont attribués à Allah. Pouvez-vous confirmer cette règle? Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ils sont niés, on ne peut pas dire que Allah Ta'ala ruse, mais dans certains cas, on dit c'est permis de dire Allah Ta'ala ruse contre les ruseurs. Naam. Tfadhal. Naam, jazakallahu khayran wa barakallahu fik cher. Donc, nous allons passer à la question suivante, question numéro 6. Donc, on l'a remplacée parce que c'est une question hors cours. Donc, on a déjà dit, pas de questions hors cours. Tout le monde a des questions très importantes. Donc, on ne fait pas de différence. Donc, c'est sur question numéro 6. Nous savons qu'Allah est El-Mujib. De ce fait, nous est-il permis, lors de nos invocations, de préciser à quel moment nous voulons que notre invocation soit exaucée? Ou cela fait-il partie de l'impatience? Patience, exemple aller au Hajj cette année, ou qu'il nous facilite une chose, travail, mariage, à un moment précis. Ce n'est pas interdit si quelqu'un, yani, quand il fait une doua, il dit par exemple, Ya Allah, je voudrais partir par exemple cette année au Hajj, facilitez-moi, yani, le Hajj. Ya Allah, je veux passer cette année le bac, facilitez-moi que, yani, la réussite. Ya Allah, je veux me marier cet été, facilitez-moi le mariage. Ce n'est pas interdit, la personne a choisi un moment, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider, naam, pour que ça se réalise dans le moment que la personne pour elle est convenable. Maintenant, si Allah Ta'ala lui facilite, alhamdoulilah, s'il lui facilite pas, c'est que Allah Ta'ala sait mieux que lui que c'est pas le moment convenable, ce n'est pas l'année convenable, par exemple, hein, et que ce sera pour une autre fois, Inch'Allah Ta'ala, ou que ce ne sera pas du tout, et qu'il lui donnera une autre chose à sa place, ou bien qu'il lui laissera ça pour Yom al-Qiyamah, bi'idhnillahi Ta'ala, ou bien qu'il va refouler de lui, hein, yani, l'équivalent yani des malheurs et des mashakil, comme dans le hadith. Tfadhal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik cheikh. Nous allons passer à la septième question. Question d'une sœur qui demande: j'aimerais savoir si je dis la ilaha illallah, qui comporte trois lettres comme le nom Allah, et dire il y a trois lettres aussi, alif, lam et ha. Est-ce un péché si j'interprète cela? Jazakallahu khayran et qu'Allah ta'ala vous préserve. Tfadhal cheikh wa barakallahu fik. Salam alaikum, alaikum salam. J'aimerais savoir si je dis La ilaha illallah qui comporte trois lettres comme le nom Allah. Et dire il y a trois lettres aussi, Alif Lam Mim
Iha. Est-ce un péché si j'interprète cela? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris que veut dire la personne. Si je dis la ilaha illallah, qui comporte trois lettres, où sont les trois lettres ici? Où sont les trois lettres, la ilaha illallah? Ça comporte plus de 10 ou 12 lettres là. Où sont les... Cher, en fait, ce n'est pas le nombre de lettres qu'il y a dans la shahada, c'est le nombre de lettres différentes. Et elle dit qu'il y a trois lettres différentes. Donc, cher a été déconnecté. Donc, on attend qu'il revienne. Cher, à la fois, mais j'ai même pas fait attention, cette question, elle est hors cours. Je me suis renseigné, parce que bon, j'étais à la moitié du cours. Je me suis renseigné et vous n'avez pas parlé de ça. Donc, cette question était hors cours. Donc, moi, j'ai pas fait les gars. Mais de ce que je me suis renseigné, c'est hors cours. Donc, soit on passe à une autre question, c'est vous qui voyez. Mais allez, si la personne peut vite expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire, peut-être que elle a une fausse aqida dans cette chose, peut-être pour lui expliquer, femme qui fait. Je sais pas non, ce que veut dire ici la personne. Non, mais en fait, elle dit que ce n'est pas le nombre de lettres qu'il y a dans la shahada, c'est le nombre de lettres différentes. C'est-à-dire, elle dit qu'il y a trois lettres différentes dans la shahada. Voilà. Quelles sont les trois lettres différentes dans la shahada? J'ai pas compris. Eh bien, pour elle, lorsqu'on lit sa question, dans la shahada, il y a trois lettres différentes. C'est pas le nombre de lettres qu'il y a dans la shahada, mais les trois lettres différentes, alif, lam et ha. Et ces trois lettres aussi sont dans le mot Allah. Cette dernière, j'ai rien compris. Cette dernière. Wallah al-Azim, j'ai pas compris. Tu as dit il y a trois lettres différentes, Alif, Lam, ou Ha dans la Shahada. La Shahada c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est ça la Shahada, les deux Shahada. Donc quelles sont les trois lettres ici? J'ai pas compris. Donc, l'erreur vient de moi. Dans la ilaha illallah, dans la ilaha illallah, elle dit il y a trois lettres différentes. Alif, lam et ha. C'est dans juste dans la ilaha illallah. Il y a trois lettres différentes, alif, lam et ha. Et aussi dans le mot Allah. Donc, elle dit est-ce un péché si j'interprète cela de cette façon? Pardonnez, cher. Qu'est-ce que ça veut dire si j'interprète de cette façon? J'ai pas compris. Eh bien, le fait qu'elle dise cela, qu'il y a trois lettres différentes dans la ilaha illallah et trois lettres aussi, pareil, dans Allah, qui sont les mêmes lettres. Voilà, tout simplement. Est-ce que le fait de dire ça, donc elle dit, j'aimerais savoir si je dis la ilaha illallah qui comporte trois lettres comme le nom Allah, et dire il y a trois lettres aussi, alif, lam et ha, est-ce un péché si j'interprète cela? Est-ce qu'elle peut dire cela? Est-ce qu'elle peut dire, voilà, vous savez, dans la ilaha illallah, il y a trois lettres différentes, alif, lam et ha, et ainsi. Et aussi dans le nom Allah. Voilà, tout simplement. Allahu a'lam. Cette personne m'a fait un peu rire. Yani, je sais pas qui l'a poussé à dire ça, Wallah al-Azim. Elle a lu tous les hadiths, tout le Coran, toutes les moutons, tout là. Maintenant, elle pense à sa chose. Je parle pas de cette personne. Hein. Cette personne, elle parle avec une IA, elle veut comprendre. Là. Je lui dis tout simplement que, yani, c'est pas la peine de penser à ça, tu as des péchés, tu n'as pas Allah ou t'as l'alim, je pense pas qu'il y ait un péché. Mais faut pas s'approfondir dans des choses pareilles, parce que ce n'est pas demandé ni par Allah, ni par son prophète, alayhi salam. Deuxièmement, ça fait pas avancer dans le dîn. Troisièmement, ça fait pas avancer dans la science. On ne devient pas plus savant en connaissant ces choses. Et quatrièmement, il y a des groupes égarés, comme les Ahbash et les Soufis, etc., qui sont spécialisés, se sont spécialisés dans ces choses. Il te dit, par exemple, regarde le Coran, yani, par exemple, toutes les sourates, yani, le mot Allah se trouve 12e, par exemple, 12e ligne, tous les mots de telle sourate se terminent par H, par H, donc, ils font des calculs. Le Coran contient par exemple 300 sourates, si on divise par 12, ça donne 300 ceci, ça donne 15 ceci, cela. Ils font des calculs, non.
Sourate Al-Kahf se trouve au milieu, il y a 60 versets, donc 30e. Mouhim, des calculs à l'Ahbash et les Soufis, pour dire que regardez, yani, le miracle du Coran. Al-Sunnah al-Jama'a dit, ça c'est les bid'a. Ça c'est les bid'a. Les salafs n'ont pas fait cela. Les salafs, lisez le Coran pour essayer de comprendre que veut Allah Ta'ala de nous pour l'appliquer, ou que veut-il de nous pour s'en éloigner. On veut se rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et s'éloigner de, yani, des péchés. Et non pas de faire des calculs mathématiques dans le Coran pour prouver que, yani, il contient tant de lettres, tant de ceci. Hein. Si on multiplie ça par ça, ça donne 12. Si on multiplie 12 par ça, ça donne 33. Si on va compter les versets, on va trouver 30 dans ceci, 33 ici. Tout ça, yani, c'est pas de Al-Sunnah ou Jama'a. Naam. Donc je dis à cette personne qui a posé cette question, naam, pour mieux Inch'Allah Ta'ala s'occuper d'autres choses, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, naam, par la science bénéfique. Naam. C'est un peu comme. Qu'est-ce qu'il a dit? On a qui invente des règles, puis quand un verset n'est pas en adéquation, il renie le verset. Voilà, c'est plus grave. Les gens qui inventent des règles, quand un verset n'est pas en adéquation avec le règle, il renie le verset. Naam. Il y en a, hatta, par exemple, le verset où Allah Ta'ala a dit, Fi jorofin har. Fi jorofin har. C'est un verset. Naam. Ils ont dit que, subhanallah, ce qui s'est passé le 11 septembre, ça fait des années, aux États-Unis, qu'on essaie d'aller les avions, etc. D'accord? Ils ont dit, on a cherché dans le Coran, on a trouvé que, yani, Allah Ta'ala dit, Jorofinhar, hein, il a dit, on est allé voir la rue où s'est passé les explosions, etc. Ça s'appelle, yani, Jorofhar. Jorofhar. C'est un nom d'un Américain, Jorofhar. Non. Arrêtez de dire des choses, des bêtises pareilles, des femmes qui fâchent. Non. Tout ça, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Non. Allah Ta'ala n'a pas parlé des attentats, ni n'a cité la rue, ni n'a cité l'auteur, ni n'a cité les femmes. Comme certains ont dit, lorsque Allah Ta'ala dit, sorti le Jumu'ah, il a dit, Watarakuka qa'iman. Lorsqu'ils voient, ils étaient dans la mosquée, ils ont vu, yani, arriver les chameaux, etc., avec le commerce. Il a dit, ils sont sortis de la mosquée, et ils t'ont délaissé, debout, sur le mimbar. Tarakuka. Certains ont dit, donc la Ta'ala parle de Coca-Cola. Il a dit Coca, regardez, Tara Coca. Donc il parle de Coca-Cola. Et comme ça, il y a des bêtises, des sottises, des choses qui n'ont rien à voir avec le haine, qui n'a. Non, il faut, Inch'Allah Ta'ala, yani, d'essayer d'apprendre ce qui est bénéfique, non, ce qui nous rapproche d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça que je vous ai cité une fois que, yani, quelqu'un a demandé à quelqu'un, à un savant, il lui a dit, yani, Allah Ta'ala, dans Sourate Al-Kahf, il a parlé du chien qui était avec eux. C'est connu l'histoire. Ceux qui se sont enfuis avec le chien. S'il vous plaît, quel est le nom du chien? Quel est le nom du chien? Est-ce qu'il était noir ou est-ce qu'il était blanc? Est-ce que c'est un chien loup ou un chien de garde? Quelle est la race? Comme l'autre qui a demandé à un savant aussi. Il lui a dit, Allah Ta'ala nous a parlé beaucoup de Iblis. Mais on ne connaît pas le nom de son épouse. Parce qu'Iblis, il a une épouse, il a des enfants. Il a dit, c'est possible de nous dire c'est qui son épouse. Le savant lui a dit, ça c'est un mariage auquel il ne m'a pas invité. Iblis, quand il a fait le mariage, il lui a dit, il ne m'a pas invité. Si j'étais invité, j'aurais demandé comment s'appelle son épouse. Tfadal. Non, mon cher Barak, Allahou fik. Jazakallahou khairan. Donc, on va passer à la question numéro 8. Question numéro 8. Question d'une sœur qui dit: ma question est sur la miséricorde d'Allah. Comment vous l'expliquez à des enfants de 7, 8 ans, Inch'Allah? Donc, comment vous expliquez
la miséricorde d'Allah aux enfants de 7-8 ans. Barakallahu fi ka cher, jazakallahu khairan. Ma question est sur la miséricorde d'Allah Ta'ala. Comment vous l'expliquez à des enfants de 7-8 ans, Inch'Allah, par que on ne peut pas expliquer des choses pareilles. Non. Des attributs pareils comme l'attribut de la miséricorde, on ne peut pas l'expliquer. Mais on peut dire que Allah Ta'ala, on donne des exemples. Vois-tu la miséricorde yani, d'une mère envers ses enfants? Vois-tu la miséricorde, par exemple, de la poule avec ses poussins, naam, comment qu'elle les met sous ses ailes, comment qu'elle veut pas, yani, qu'il leur arrive du mal, etc. Allah Ta'ala est aussi plus miséricordieux que nous et que cette poule et que. Naam, c'est tout, mais lui dire c'est quoi, la miséricorde, comme ça, l'expliquer, c'est pas possible. Mais c'est en donnant des exemples, bi'idhnillahi Ta'ala. Naam, tfadlal. Ah, nous allons passer à la neuvième question. Neuvième question, question salat d'un adolescent. Si on est dans une école publique, peut-on rattraper toutes les salats le soir? Est-ce qu'on prend des péchés? Aïe de la question, barakallahu Ah, mes chers, donc question salat d'un adolescent. Si on est dans une école publique, peut-on rattraper toutes les salats le soir? C'est-à-dire que la personne allait dans une école publique, l'enfant, et il ne va pas prier à l'école apparemment. Donc, peut-on rattraper toutes les salats le soir? Est-ce qu'on prend des péchés? Rattraper toutes les salates, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cinq salates obligatoires. Par rapport à la salate du matin, sobh, celle-là, c'est pas possible de la laisser pour le soir, parce que tout le monde peut prier avant d'aller au travail. Au moins, celui qui ne prie pas, yani à l'heure, au moins quand il se réveille, je sais pas, à cette heure ou là, il va prier. Nam. Mais donc je vois pas comment une personne peut laisser par exemple la salade du matin, salade sobh jusqu'au soir. Avec la précision que Cheikh Al-Albani a dit une chose, Nam a dit une chose que je voudrais aussi vous transmettre, et sur laquelle on devrait méditer, beaucoup méditer, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? C'est par rapport à salade sobh. C'est par rapport à salade sobh. Nam. Qu'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah? D'abord, je parle de Cheikh Ben Baz, ensuite, rahimahullah, ensuite, je vais dire ce qu'a dit Al-Albani. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il a dit, toute personne qui, au lieu, par exemple, de mettre le réveil pour qu'il sonne, par exemple, à l'heure de la prière, supposons que la prière du matin, c'est à 5 heures du matin, supposons. Il a dit, toute personne qui, au lieu de mettre le réveil pour sonner à 5 heures du matin, pour se lever prier, il met le réveil qui sonne à 7 heures du matin pour aller travailler et non pas à 5 heures du matin pour prier. Il a dit, il a fait du shirk. Il a dit, il a fait du kofr. Non, il a fait, dans une version, il a dit shirk. Dans une autre version, il a dit kofr. Non, la mécréance ou là du polythéisme, shirk. Comment? Yani, le réveil, il est devant toi, il a ton téléphone ou là. Au lieu de mettre 5 heures du matin, l'heure de la prière, tu préfères le travail. Tu dis non, je le mets à 7 heures et pour la prière, je m'en fiche. Si je me réveille, je me réveille, je me réveille pas. Donc dans ce cas, vous avez entendu ce qu'a dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Quant à Cheikh Ben Outri, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit quelque chose, ou l'a détonné, hein. Il a dit toute personne qui, par exemple, met le réveil, par exemple, disons, pour 5 heures du matin, si la prière est à 5 heures du matin. Il a dit ensuite, quand il se réveille, hein, il dit par exemple, laisse après, il l'éteint là, il dit après, je vais continuer un peu à dormir, après, je vais prier. Non. Il a dit ensuite, s'il se rendort, c'est pas spécialement le réveil, hein, même si par exemple quelqu'un le réveille, lui dit, son épouse le réveille, lève-toi, il dit, c'est quoi? Il lui dit, pour prier. Il dit, mais allez, je vais prier après. Il a dit, il se rendort, il reporte. Il a dit, s'il fait comme ça, ce n'est pas la peine, quand il va se réveiller après, de rattraper la salate, car
elle ne se rattrape pas et ce n'est pas valide. Allahu Akbar. Pourquoi? Car tu étais conscient, tu sais que c'est le moment de la salat, et tu dis non, je la prie après. Et ensuite tu t'endors. Il a dit, quand tu te réveilles après, si le moment est sorti de la salat, c'est pas la peine de la rattraper. C'est trop tard, c'est parti. Prépare-toi pour salat al-dhuhr. Salat al-sobh, c'est parti. Donc, attention à celui qui se réveille et qui dit que je vais prier après. Non. Elle a dit, c'est. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, on disait, comme pour le jeûne. Le jeûne, hein, si tu veux jeûner, il faut jeûner Ramadan. Personne ne peut jeûner Shawwal, idéal passe du Ramadan. Ou bien je vais laisser le Ramadan passer et je vais jeûner après le Ramadan. Non. Ensuite, les admins, il faut me rappeler, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours ou là, de commencer à faire bientôt yani, des cours pour le Ramadan, car c'est très bientôt, comme vous savez. Donc, quand tu as regroupé les salats, pour les salats qui restent, on peut grouper entre salat al-dhuhr et salat al-asr. Et on peut grouper salat maghrib et salat isha. Mais on ne peut pas les faire les quatre à la fois. C'est-à-dire aller le soir à la maison et faire la prière Dhuhr Asr et ensuite Maghrib Isha. Non. On fait seulement par exemple Dhuhr Asr qu'on n'a pas fait. On les regroupe par exemple. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Mais faire passer encore la prière du Maghrib et du Isha et pour les refaire tous, toutes les quatre à la fois, ça c'est pas possible. Idnillahi ta'ala. Naam. والله تعالى أعلم تفضل Jazak Allah khairan wa barak Allah fik, Cheikh. Donc, la dixième question qui est étonnante, et bon, je vous la pose, Cheikh. Cheikh, si on fait ruqya à une personne qui a un djinn et que le djinn lui dit égorge pour moi et que la personne va égorger pour le djinn, est-ce que ça fait partie du shirk d'égorger pour le djinn ou c'est juste pour le nourrir? Et cela ne fait pas partie du shirk. Barak Allah fik, Cheikh. Tfadal, Cheikh, wa jazak Allah khairan. Comment, Adi, ça rentre dans le shirk, Adi, non. C'est ça rentre dans le shirk d'égorger, Adi, pour le djinn. Non, je vais égorger pour le djinn, au lieu d'égorger, Adi, pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et donner ça aux pauvres. Maintenant, je vais égorger pour le djinn, non, c'est lui qui m'a ordonné. Et ensuite, non, il m'a fait des conditions, c'est-à-dire il sort pas, sauf si on lui égorge, non. Et ensuite, je vais le nourrir en plus de cela. Non, je vais le nourrir. Alors que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de manger par exemple avec la main gauche. Pourquoi? Pourquoi c'est haram de manger avec la main gauche? Parce qu'il a dit le shaitan mange avec toi. Et s'il mange avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Donc tu le nourris. Alors que le shaitan c'est qui pour toi? Toi le musulman. C'est le pire ennemi. Alors comment se fait-il que ton pire ennemi, le pire ennemi d'Allah, tu vas le nourrir. Au lieu d'être ton ennemi, l'ennemi, qu'est-ce qu'on lui fait? On essaie de le tuer, c'est pas de le nourrir. Donc, ça rentre dans le shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Le djinn, par contre, on le fait sortir, en obéissant à Allah ta'ala et, yani, à Allah ta'ala. Parce que son prophète est mort, alayhi salam. C'est pour ça que M. Taymiyyah, rahimahullah, quand il faisait Tazotoruqya, le djinn lui disait, d'accord, c'est-à-dire quand il le frappait, il frappait bien sûr la personne qui en même temps a le djinn, donc c'est le djinn qui encaisse. Ensuite le djinn lui dit, arrête, arrête, je vais sortir, yani, pour, yani, ta'at laka, pour t'obéir. Et puis bien lui dit, non, ne sors pas en m'obéissant, sors en obéissant à Allah Ta'ala, sors par obéissance à Allah, pas pour moi. Non. Regardez comment les savants, yani, ils ont peur du shirk. Qu'en est-il maintenant? C'est lui qui te commande, il te dit, va m'acheter un coq noir, nam, avec des points bleus et je ne sais pas quoi qui coûte cette dame. Hey, va l'égorger, va me le ramener rôti. Va me le ramener rôti et ramène aussi une bouteille de limonade avec toi. Il est fou, hein, s'il va lui obéir. Non. Est-ce qu'il y a une dernière question, Inch'Allah, tafadhal?
Cher, je n'ai pas de question, mais j'ai une question qui est mais vraiment hors sujet, mais bon, je peux vous la poser si vous voulez, Inch'Allah. Mahmoud, تفضل. Donc, cher, je vous pose c'était la sixième question, la question a été hors sujet, mais je vous la pose, bi-idhnillah. Donc, assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. Voilà ma question, porte sur l'obéissance aux parents, sujet très important. J'ai une tante maternelle, donc la personne dit, j'ai une tante maternelle qui n'a pas été bonne avec sa mère, c'est-à-dire la grand-mère de la sœur. Le jour du décès de ma grand-mère, ma tante a préféré rentrer chez elle pour traire ses vaches tout en laissant sa mère qui était mourante. Donc elle n'a même pas pu assister à ce moment pour demander pardon à sa mère. À savoir que le jour où ma grand-mère est morte, elle a précisé qu'elle ne pardonnait pas à sa fille et ni à ses enfants, qui eux aussi ont eu un mauvais comportement. Désolé de la longueur de l'explication, mais c'est important. Ma tante, subhanallah, vit une vie misérable, chère. Elle tombe au moins une fois par jour sur son visage. Elle se casse le nez, l'arcade, la bouche, s'ouvre la tête. Et des chutes, subhanallah, improbables. Tous ses proches disent que c'est les doigts de sa mère, c'est-à-dire de la grand-mère de la sœur. Ses enfants n'ont pas de considération pour elle. Mes frères et sœurs sont très tristes pour elle, car elle ne se rend pas compte qu'elle a mal agi auprès de sa mère. Ma question à Chir est, est-ce que l'on peut faire quelque chose pour qu'Allah lui pardonne et lui facilite? Avons-nous raison, Chir, de penser que tout ce qui lui arrive est sûrement dû au doigt de sa mère? Tafadhal Chir, wa jazakallahu khayran. Une seconde, je suis en train de lire le début. Nam, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il dit ici? Si vous pouvez la conseiller en Darija? En Darija, si je la conseille en Darija, Malish, mais premièrement, elle n'est pas en direct avec nous. Deuxièmement, donc si je la conseille en Darija, disons peut-être beaucoup, la plupart peut-être qui sont avec nous ne vont pas comprendre donc ce que je vais lui dire, s'ils n'ont pas l'arabe. Qu'est-ce que vous en pensez? Tfadal Mahmoud. Ma chère, si vous voulez inventer une nouvelle langue, hein, les deux mélangés, et puis je crois que ça ira pour tout le monde. Je préfère en français, parce que c'est un salon francophone. Et ensuite, quelqu'un, ceux qui sont proches d'elle, ils lui traduisent en arabe ou en derija ou la femme, pour dire que ne pas obéir à ses parents, vraiment, ça rentre dans les grands péchés. Ça vient, comme vous savez tous, après le shirk, bid'a, subhanahu wa ta'ala, désobéissance, à part les bid'a, bien sûr. Désobéissance aux parents, naam, sauf bien sûr quand ils demandent quelque chose, quoi, qui est contraire à la charia. Mais ici, ce qui est demandé, c'est la piété familiale, c'est d'aller assister à la personne qui est mourante, surtout si c'est sa mère, yani sa grand-mère, de l'aider, ceci, cela. Maintenant, tout ce qui lui arrive, personne parmi les êtres humains, sauf les messagers ou là, ne peuvent attester que c'est vraiment à cause de yani, sa grand-mère ou là sa mère, à elle. Non. Mais on sait que il y a un hadith authentique qui dit qu'il y a deux péchés qu'Allah Ta'ala yani, comment qu'on dit donne qu'Allah Ta'ala rétribue, disons, ici dans cette dunya, rétribue, c'est-à-dire puni, ici dans cette dunya. Il y a beaucoup de péchés que on fait dans cette dunya, on n'est pas puni jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Mais il y a deux péchés, il a dit, alayhi sallam, dans le hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, qui sont punis dans cette dunya. Parmi les deux péchés, il a dit, yani, uruq al-walidain, la désobéissance aux parents. En ce sens, on peut dire à, disons, à 80% que, l'histoire du Jurayj, on peut dire qu'à 90%, 95%, ce qui lui arrive, c'est sûrement yani, les doigts de sa mère et ce qui lui est arrivé. Mais on ne peut pas, comme j'ai dit, yani, être à 100%. Il n'y a qu'un prophète ou là qui peut avoir le wahy pour dire que c'est à 100% à cause de cela. Mais la plus, yani, à 90%, c'est à cause de cela. Ensuite, la personne a dit comment faire pour. Est-ce qu'on peut faire quelque chose yani, à sa place?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est tel qui peut le faire. C'est tel qui, yani, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait beaucoup, beaucoup de doigts à sa mère, il pleure jour et nuit, il fait des sadaqas pour sa mère, et prie beaucoup, jeûne beaucoup, il demande à Allah ta'ala jour et nuit, pardon. Naam. Et ensuite, je ne sais pas si, yani, elle va lui pardonner demain quand elle va la rencontrer. Allah ta'ala. Parce qu'en faisant cette chose, elle a fait deux péchés. Le premier envers Allah, qui a ordonné de ne pas faire ça, et deuxième envers sa mère. Tout ce que j'ai dit, pleure, etc., c'est pour que Allah pardonne. Il reste la partie de sa mère, c'est entre elle et elle, yom al-qiyama. Naam. Et quant à nous, la famille, on peut faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, enlève son châtiment, yani, que Allah ta'ala, yani, comment on dit, yani, khafif, allège pour cette femme, yani. Sinon, c'est elle, comme j'ai dit, qui doit faire, yani, le repentir, etc. Naam. Tfadal. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ. الله عز وجل nous récompense, cher, pour le temps que vous nous accordez. Donc, c'est fini pour ce soir. بارك الله فيك et je vous laisse le mic pour la fin. تفضل يا شيخ. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.